Gen son maladie naturelle qui gaspille boyau, gen son expédition gaspille boyau, gen son on la même monté au prend boyau gaspille, parce que la même on la même monté gaspille boyau, on la même monté fait au pas libre encore, le pas gratter koyo, le pas sécre boyau, parce que la même mais le ciel permet de venir par nous. Oh Dieu, alléluia. C'est ça, exalté mon Dieu ça, exalté par des lords, qu'on les, par des lords, qu'on les, aïe aïe aïe, par des lords qui a touché qu'aime ta co-crise, mais cherché pendant toute l'éternité, ma joigne aucun lord. Yes, by the Lord, don't leave. By the Lord, call it. By the Lord, car j'aimerais même te co-cris. Moi, j'ai passé toute la vie, moi, à chercher. Et ma joie. Yes. Et moi, j'ai passé toute la vie, moi, à chercher. Ma joie. Tu m'étais au départ, ça m'a tenu. Oh, moi passé toute la vie, moi à chercher. Qui n'est qu'à exalter le ciel matin, pour côté le sorti, pour côté le chaudia, et pour côté le bras, quitter le ciel, sa visite, et pour qu'elle a glorifié mon Dieu matin, pour qu'elle a chuchoté mon Dieu matin, si nous pas la prison son grâce, si nous pas hospitaliser son grâce, on dit alléluia. Alléluia. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu avec nous. Nous glorifions mon Dieu. Qui rend possible matin. Hein? Nous avons une chance pour nous dans l'espace. Pour nous adorer lui-même. Qui a toute puissance. Tout pouvoir qui est dans le ciel là. Présence nous. Dans l'espace par hasard. Mais son planification. Que le ciel lui-même. L'était fait. Et ne teste pas la planification ça. La vie nous t'a gaspillé. Café nous t'a coulé avec ma. Parce que dans mon diabolique, la grand système, on mange un tel. Si pas qu'à manger, n'a gaspillé. Si pas qu'à manger, n'a déjoué. Si pas qu'à manger, n'a réduit au silence. N'a condamné en prison. N'a fait la fini mal l'hôpital, mais Dieu soit loué, nous épanier. Nous on pourrait faire un coup de lecture dans le psaume 13, les versets 4 et 5. Psaume 13, les versets 4 et 5. C'est là que nous pourrions faire un coup de lecture matin pour nous réfléchir sur la parole de Dieu. Qui a toute puissance, tout pouvoir qui est dans le ciel là. Psaume 13, verset 4 et 5. Psaume 13, verset 4 et 5. Regarde, réponds-moi, éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Parole du Seigneur. Amen. Réflexion au matin autour des deux grands versets saillants, les dit comme ça, une clarté spirituelle pour une échappatoire des pièges du diable. C'est sujet ça, non pas loué, non un titan qui n'est pas trop long. Une clarté spirituelle pour une échappatoire des pièges du diable. Dans le texte que nous sommes là, nous sommes salmis là. Les fait bon Dieu demande ça. Les dit bon Dieu, ouvrez-y moi
pour ne pas prendre un piège adversaire. Et automatiquement, je prends un piège, lui, la rime, la passe dans la bêtise. Automatiquement, je prends un piège, lui, la fêter, la triompher, parce que l'objectif, lui, atteindre. Parce que salmiste là, en tant que monde bon Dieu, il te comprend ça crée la guerre. Les gens sont en guerre avec les gens ou bien. Et les gens en guerre avec mauvais esprit. Mais généralement, type de bataille ça, ici là, salmiste en présenté là, son bataille qui est purement spirituelle. Donc salmiste là connaît, depuis que la guerre a pris un piège. Captain, salut, ça te connaît ça. Depuis que l'adversaire a un piège, captain, et généralement, piège ça y est, c'est pas piège ou capable de détecter, c'est pas piège ou capable de river ouais, ou capable de river découvrir. C'est raison fondamentale qui fait l'idée, mon Dieu, pour mon Dieu ouvrir ciel. C'est que ciel était déjà ouvert, mais c'est le ciel naturel qui était ouvert. Pour y alimenter, mon Dieu, une clarté spirituelle. Mais puisque c'est une bataille spirituelle qu'il y a, et bien lui, mon Dieu, il y a une clarté spirituelle pour qu'à mesure, pour le côté bien jetant, pour ne pas prendre la donne. Parce que s'il n'y a pas mon Dieu spirituel, l'élire sous piège, il n'y a pas la donne. Ma part, par exemple, quel piège qui capable tonne. On allait sur le plan naturel. Par exemple, il y a un capable fouiller un trou. Et tout ça le fouiller, il mettait vlou sur le trou. Il mettait vlou. Et puis, ou même qui garde pour eux, c'est sous vlou pour le marché. Ou à sentir confortable. Ou pas jamais connaître. C'est un trou qui en bas vlou sa ouais. Mais pendant que en bas trou a gagné. Alors, on va vouloir gagner un trou là-dedans. Automatiquement, on commence à marcher sous vlou que vous avez. Lorsque vous avez un espace qui a un trou, c'est garder ou garder ou tomber en bas. En promesse, la caille, les chiens n'ont pas de problème. Des gens qui ont habitué à un piège, à un pèlerin pour chien. Comment le temps? Ils fouillent un trou et puis ils mettent quelques feuilles bananes. Sous trou ou bien quelques taches, même taches qui finissent pour lui, il mettait sous trou et puis il mettait viande sous lui. Automatiquement, chien prend sans viande, non. Chien pas gagné ni territoire dans la ville en tête, lui, c'est avancer, venir manger viande parce qu'il prend sans viande. Et pour chien, depuis le prend sans viande, il a avancé, il n'a pas tenu compte si mon trou en bas fait bon en salle. C'est prendre viande qui est important pour lui. Et dans avancer pour prendre viande, chien lui tombe dans le trou. Et automatiquement, il tombe dans le trou. Et bien, moun qui était en pèlerin, l'a fait saluer avec chien ça qui était en pèlerin pour lui. C'est ça, ça, mais ça, vous expliquer ici. Dans Psaume 13, les versets 4 et 5. Parce qu'elle connaît l'adversaire, puisque elle est en bataille. C'est une bataille acharnée. Et adversaire pas encore plus bon. Par conséquent, adversaire va développer sa quelle stratégie. Parce que par une bataille sans stratégie. C'est ça que fait, dans le domaine de la guerre, il parle de sa quelle planification stratégique. Donc c'est que, puisque mon dans la guerre, c'est normal pour le définir pour la bataille là. C'est normal pour le définir qui stratégie il va mettre en place. Pour être capable avec l'adversaire là. Donc c'est que puis, toute stratégie de yo, ne pas mettre en place ça généralement embuscade ou bien piège, c'est une stratégie qu'on a habitué mettre en place pour gagner une bataille. Salmis là, avec sagesse, il dit le ciel, ouvre le ciel. Parce que la bataille s'habille là. Si le ciel pas l'ouvre, adversaire à moi. Adversaire gaspillé. Si je ne parle pas de la bataille là, eh bien, adversaire chante funérailles moi.
Après ça, réjouis sous tête moi. Il dit, ouvrez ciel. C'est que famille, l'évangile là sont bataille qui est pour faire l'évangile de bataille. Bon d'ailleurs, pour entrer l'évangile son bataille. Pour entrer son bataille et pour dormir dans l'évangile son bataille. Pour vivre dans l'évangile son bataille. Pour marcher dans l'évangile son bataille. Pour être dans l'île, son pas dévié, c'est une bataille. Et même bataille ça, où il est là, peut-être, ou qu'à rentrer dans la bataille là, ou bien au Caladol, sont pas tenus compte des stratégies adversaires. L'on par contre stratégie adversaire, la vie a gaspillé. L'on par contre stratégie adversaire, la vie a fini mal. L'on par contre stratégie adversaire, la triomphe, la fête. Sous terre tout, parce que ou pas connaît stratégie. Salut sans dit, ouvrissez pour ne pas prendre dans piège. Permettez-nous faire une analyse sur des animaux.